Messieurs, voici dans le duo de rappeurs français le plus populaire. Ils ont participé à notre finale en chantant avec Loris, le protégé de Nolwenn. Après 2 ans de pause médiatique, Big Flo et Oli fêtent leur retour avec un nouvel album prévu le 24 juin. Ils nous font un cadeau sublime à leur image, un extrait de leur futur album, une exclusivité pour The Voice. Et ça s'appelle « J'étais pas là », Big Flo et Oli. Hey. Hey, salut la France, est-ce que tu me reconnais? J'ai perdu quelques cheveux et des abonnés. Entre temps j'ai beaucoup dormi et un peu charbonné. Même ceux qui m'aimaient pas se demandaient quand est-ce qu'on revenait. La musique avance, les gens oublient, c'est inévitable. Big Flo et Oli remplacé par Slimane et Vita. J'ai plus traîné à Palavas qu'à Panama, mais je regardais les Energy Music Awards sur mon canap. Ouais. En même temps j'étais pas mal dans ma retraite. Trop peur de faire un scandale, même quand je dis rien je regrette. Ils ont tous fait des posts et des jolis discours. Entre deux codes promo, une story pour les Ouïghours. Je regarde Flo et j'ai peur qu'on se sépare comme les Daft Punk. Mais ils étaient pas frères les deux Daft Punk. Quoi de neuf, le monde est devenu flippant. La paix c'est quand, il est quelle heure en Afghanistan? Ils nous ont dit pas besoin de masque. Ensuite si, remettez le masque. Moi j'avais pas de masque, mais pour aller acheter un masque, il me fallait un masque. Du coup j'ai mis un casque comme les Daft Punk. J'ai rencontré un peuple à Madagascar. J'ai appris à pêcher et à faire des nœuds. J'ai compris que finalement j'étais comme eux. Que j'avais pas besoin de grand chose pour être heureux. Bref, rallumez les caméras. Vous nous avez manqué mais ça y est, papa est là. Quatrième album, on va faire fêter tous les quotas. Pas besoin de pub, mais j'en fais quand même. Comme Coca. Santé Nikos. J'étais pas là, mais j'ai rien raté. À qui j'ai manqué? Qui pensait à moi? Quelqu'un sait où on va? J'ai l'impression qu'on est tous paumés. Donc ça nous pendait au nez. Aujourd'hui on joue les étonnés. J'étais pas là, mais j'ai rien raté. Mais j'ai rien raté, j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? À vous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas là, mais j'ai rien raté. Hermano. Mais j'ai rien raté, j'étais pas là, 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 là. J'étais pas là. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de story. Au début, j'avais peur que les gens m'ont oublié. Puis j'ai redonné sa place au temps. Et j'ai compris que les réseaux, c'est pas si important. Je suis allé à Dubaï, du quoi dans le désert. Je me suis lâché au resto, je prenais 3 desserts. La vie d'une star de télé-réalité. Et en vrai, je crois que j'ai pas trop aimé. Au fait, je suis en couple, les filles me parlaient plus. Sur Insta, je ferme les yeux chaque fois que je vois un cul. Je joue Animal Crossing avec elle. Et dans la voiture, on chante Dua Lipa et Angèle. Je pourrais pas plaire à tout le monde. J'ai mis du temps à l'admettre. Ceux qui m'aiment me suivent. Les autres allez vous faire mettre. Enlevez internet aux boomers non. Et enlevez les tablettes aux bébés. Remettez le mec blond sur les malabars. T'as vu que je suis moins moche? J'ai fait pousser la barre ouais. Pendant la pause j'ai eu le temps. J'ai fait 10 000 vidéos pour vos petits frères et pour vos neveux. Par contre, message à tous les étudiants. Mais j'en ai rien à foutre de vos BDE. J'ai dû gérer mes putains de crises d'angoisse. Soigner mes traumatismes. Bref, je passe le salam à Eric Zemmour. Et la bonne année à Maître Gims. Gims, bisous, on rigole le frérot. Vous êtes avec nous, The Voice ou pas? Et leurs musiciens, venez messieurs, venez me rejoindre. J'étais pas là, un titre que vous venez d'interpréter, édifiant,
avec votre verbe, votre verbe aussi. Non, pas du tout. Ça vous a manqué les stories? Moi, je vais vous en faire une direct. Tu peux en faire une là, vas-y, avec plaisir. Tu veux qu'on fasse une story, Nikos? C'est un hommage. Voilà. Nikos, un bon Nikos nous prend en photo, ça va faire du like. Voilà, c'est une story. C'est une story, en plus, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Écoute, oui, c'est une chanson qui parle de tout ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là, ouais. Pendant ces 2 ans de pause, qui nous a inspiré aussi pour l'album. Et voilà, c'est un petit bilan pour le retour, quoi. Est-ce que vous êtes content de revenir? Parce que nous, on était content de vous avoir en direct. Écoute, oui, franchement. Ben, ça nous a manqué de plus croiser les gens, surtout le public, de plus échanger comme ça, donc c'est un plaisir. Merci tout le monde. C'est la scène surtout qui manque le plus. Sortir l'album et aller en concert, c'est ça. Vous êtes impatient, je suis certain que vous en avez sous le pied, vous avez beaucoup de choses à partager avec le public et je vous le souhaite du fond du cœur. Les autres, c'est nous. Un nouvel album qui sortira le 24 juin. Oui. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le même jour, vous allez fêter la sortie de cet album avec vos fans à l'accord. En concert. Rien. T'es invité, Nikos, si tu veux venir au concert. Évidemment. Si t'es dispo. Évidemment, je ferai le tambour derrière. Vas-y. Big Flo et Oli. On va le faire. Il est capable, en plus. Ah oui, j'ai fait le panda.